Permit me, first of all, to present my speech in two phases. I would like just to make a comment after the message delivered by the professor in English. Then in my capacity as a Minister of Communication in charge of organizing the communication of the government, I will do it in French. Yes, because we have the privilege to be the country where the two languages are spoken. Mr. Professor, I would like to say some few words just off the record, because in my capacity as a minister, I'm not allowed to improvise something here. But as the moderator said, the speech delivered by the professor is so inspiring that I think that I have to say some few words as far as Cameroon is concerned. First of all, I would like to say that we are 20 million of Cameroonians, and we have 20 private television, 20. We have almost 200 private radio, community radio, and commercial radio. We have almost 500 newspaper, 500. I would like journalists who are here to pay us a visit. I am ready to welcome them and to have an idea about what communication means in Cameroon. Mr. Professor, I would like to invite you to Cameroon in December because we are about to organize the general state of communication. We are overwhelmed by the freedom of press in Cameroon. We are overwhelmed. You mentioned political party. Please, Mr. Professor, let me tell you that I am not a member of the ruling party. I'm a chairman of a political party. I used to be one of the toughest opponents of President Biya, one of the toughest opponents. There are many journalists here who know me very well. Today, I decided to support the president, but the purpose of this forum is not to talk about politics, but as the professor mentioned it, I would like to say that freedom of press in Cameroon, we have no single journalist in jail in Cameroon. And I said we are really overwhelmed. We do not have one single politician in jail in Cameroon. As we are about to organize the general state of communication in Cameroon, all of journalists who would like to come and help us put the house in order, because we are overwhelmed. We don't know where to put our head in order to master it, because the communication is a tool that has to serve the development of the nation. So I said that we are about to organize it, and wholeheartedly, all of those who would like to come and assist and help us, enlighten us, give us the helpful hand that will help us to put the house in order, in order to make the communication the genuine tool at the service of the development of the nation, whoever would like to do this is wholeheartedly welcome. Thank you, and now let me deliver the official statement. Thank you. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de la Turquie, Mesdames et Messieurs les ministres, représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, Madame et Messieurs les co-présidents du 5e Forum africain des leaders des médias d'Afrique, chers participants au forum, chers invités, Mesdames et Messieurs, le Cameroun se sent particulièrement honoré d'être aujourd'hui l'invité de votre prestigieux forum. Après avoir abrité sa troisième édition en 2010 à Yaoundé, nous voici aujourd'hui conviés à nouveau à vos côtés ici en terre sénégalaise, terre d'amitié, de fraternité et d'hospitalité légendaire, pour célébrer avec vous
le 5e anniversaire de votre expérience, une expérience à la fois unique et salutaire au service de l'émergence du continent. Permettez-moi aussi de saisir cette opportunité pour exprimer ma gratitude ainsi que celle de la délégation qui m'accompagne à l'endroit de Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et à l'attention du peuple frère du Sénégal tout entier pour l'accueil particulièrement chaleureux et de toutes les marques d'attention que nous recevons chaque jour, moi-même et toute ma délégation ici à Dakar. Mesdames et messieurs, autant en 2010, lors de vos assises à Yaoundé, qu'aujourd'hui en 2012, ici dans la capitale sénégalaise, l'apport du Cameroun en faveur des objectifs de votre forum a été rendu possible grâce à la volonté personnelle de son chef d'État, Son Excellence M. Paul Biya. Il a à chaque fois donné des instructions fermes, et ça se justifie par ma présence ici, pour qu'aucun effort ne soit ménagé par le gouvernement camerounais afin de vous accompagner dans le combat légitime que mène votre organisation pour l'émergence d'une Afrique unie, prospère et respectée à travers le monde. C'est dire à quel point l'œuvre qu'African Media Initiative s'efforce de bâtir pour notre continent nous tient à cœur. En m'instruisant de prendre personnellement part à vos travaux, répondant ainsi à votre aimable invitation, le président Paul Biya m'a chargé de vous porter ce message de solidarité et de vous souhaiter un joyeux anniversaire ainsi qu'un plein succès à la présente édition de votre forum. Cette année, le thème de votre rencontre porte sur le renforcement des médias et de la gouvernance par la participation des citoyens et de l'innovation. En choisissant d'axer vos travaux sur ce centre d'intérêt, sur un premier plan, vous avez, j'en suis sûr, voulu mettre l'accent sur le rôle que les médias devraient jouer sur notre continent pour une amélioration de la gouvernance. L'un des secteurs de cette amélioration est la dynamique participative qui vise les citoyens comme ferment du changement et acteur majeur de la démarche de la transformation et de développement. Nous ne pouvons que nous en féliciter tout en tant votre préoccupation s'illustre par sa pertinence et par son opportunité. Sur un second plan, vous avez posé l'innovation comme facteur déterminant du processus de renforcement de la gouvernance. L'innovation, il est vrai, n'est pas que technologique, bien que ce soit sous cet angle que nous entendions mettre l'emphase lors de ce forum. Pour nous, la technologie est un véhicule, un moyen et non une fin en soi. Elle n'a de véritable force et de durabilité que si elle parvient à être ancrée dans un tout dont le socle est une systémique intégrant une vision du monde, des choix paradigmatiques et stratégiques fondamentaux et des outils de diverses natures dont justement la technologie de l'information et de la communication. Il n'est pas, me semble-t-il, indiqué de s'étendre sur l'importance des TIC, dont le renforcement de la gouvernance devant un parterre de professionnels et de managers responsables aussi avisés que vous en la matière. Qu'à cela ne tienne, un forum comme le vôtre est une occasion de partager des expériences et de s'inspirer mutuellement. Fort de ce constat, j'ai jugé opportun de vous présenter une expérience qui, au Cameroun, est considérée par toutes ses parties prenantes comme une démarche novatrice. Avec votre permission, j'inviterai mes collaborateurs
à vous faire une économie succincte lors de la prochaine plénière. Once again, I would like to express my gratitude and my thank. I am here with a very important delegation. We are ready to share the experience of Cameroon in terms of digitalization. This is something which involves all aspects of the life of the nation, and we are ready if we are invited and allowed to do it. I'm very much grateful. Thank you, Mr. Professor. Once back in Cameroon, I will take your message to all the politicians and the leaders in the media, and we will do the best we can in order to translate it into reality. Congratulations. Thank you.